évincé du gouvernement Patrick Hatchi II, l'ex-secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale chargé de la Protection sociale Clarisse Kéoméri adressé un message au président Ouattara. Le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Patrick Hatchi et validé par le président Alassane Ouattara a été divulgué dans la soirée du mercredi 20 avril 2022 par le secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé. Clarisse Kéoméri se dit fière d'avoir fait partie de la première équipe de Patrick Hatchi. Malheureusement, le nom de Clarisse Kéoméri n'y figure pas. Cette dernière qui occupait le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale chargée de la Protection sociale n'a pas été retenue dans la nouvelle équipe du Premier ministre Patrick Hatchi. Elle a tout de même adressé un message de remerciement à l'endroit du président Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Hatchi. Sous son leadership éclairé, c'est avec beaucoup de volonté que nous avons essayé d'apporter notre contribution, je voudrais à travers ces quelques lignes, exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République pour la confiance et l'honneur qu'il m'a accordé en me permettant d'occuper le poste de secrétaire d'État chargé de la protection sociale. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici le message poignant de Thomas Camara, ex-ministre des Mines, éjecté du gouvernement sous son leadership éclairé, c'est avec beaucoup de volonté que nous avons essayé d'apporter notre contribution pour le développement du chantier de la protection sociale dans notre pays. Je tiens également à traduire mes remerciements appuyés au Premier ministre, M. Patrick Hatchi, chef du gouvernement pour son management exceptionnel dans la conduite de l'action gouvernementale, a-t-elle écrit et relayé sur les réseaux sociaux. Elle a par ailleurs invité, de manière subtile le président Alassane Ouattara à ne pas l'oublier, car elle voudrait être recasée dans l'administration ou ailleurs. Les yeux doux de Clarisse Kéoméri au président Ouattara elle le traduit si bien en disant, enfin, je voudrais réitérer ma constante et entière disponibilité à servir notre beau pays la Côte d'Ivoire et poursuivre l'œuvre de son développement dans la paix et la fraternité. Vive la Côte d'Ivoire, a conclu la désormais ex-secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale chargée de la Protection sociale.